ramassé un temps de vente à chaque fois. Bonjour, je suis Ludovic Franceschet, j'ai 47 ans et je suis éboueur à la ville de Paris. En fait, mon parcours, il est simple. Je suis monté à Paris, j'avais 17 ans, voilà. Après, je suis parti à l'armée. Après, j'ai fait le métier d'aide-soignant, faisant fonction d'aide-soignant. Et ensuite, je suis devenu éboueur il y a maintenant 6 ans. Je vais faire une émission qui s'appelle Bismarck, j'ai enregistré hier. C'est ça que tu étais étonné. Bismarck. Alors, il y a des gestes qui me perturbent tout particulièrement, c'est le jeter par terre. Pourquoi? Je ne sais pas, alors qu'il y a des poubelles qui existent. On prend l'exemple de Paris, 33 000 poubelles un peu partout. Il faut savoir que la plupart des fumeurs vous jetez par terre alors qu'il existe des cendriers de poche. Il faut savoir qu'un mégot de cigarette, ça pollue 500 litres d'eau. On va se représenter ça en baignoire. Une baignoire, ça fait 5 litres. Ça fait 100 litres, pardon, pas 5 litres, 100 litres, donc ça fait 5 baignoires. Imaginez-vous un seul petit mégot. Donc s'il vous plaît, utilisez les cendriers, ou alors les mégotiers aussi, ou les poubelles, bien écraser son mégot et jeter la poubelle tout simplement. Je suis un petit peu foufou de la propreté. On ne peut pas négliger la propreté. Je me suis dit, pourquoi pas faire des défis. Et j'ai la chance aussi d'avoir les médias autour de moi. C'est une vraie chance ici. Du coup, ces fameux défis, j'ai commencé par le Tour de Paris. Le Tour de Paris, je l'ai fait en 2 jours et demi. J'ai ramassé 4800 litres, 48 sacs, 200 litres de déchets. Imaginez-vous. Ensuite, deuxième idée, j'ai fait la tournée des ponts de Paris. Il faut savoir qu'il y a 35 ponts. Et j'ai ramassé 2300 litres de déchets qui étaient prêts à tomber dans la Seine. Donc on va dire que j'ai un tout petit peu préservé la Seine. Ensuite, ça m'a donné l'idée de faire encore plus grand. Moi, j'habite à Étampes, dans l'Essonne, donc j'ai fait Étampes-Paris en faisant un petit tour de Paris. On a fait à peu près 110 km et on a ramassé plus de 6300 litres de déchets, donc 63 sacs de 100 litres, mais pas que, parce qu'il y avait aussi les encombrants. On n'a pas pu tout prendre malheureusement, mais on a dû avoir à peu près 900 kg à une tonne de déchets, donc en 6 jours. Mais en fait, tout ça, c'est quoi? C'est une grosse préparation pour faire mon Paris-Marseille. Et oui, je vais faire Paris-Marseille à pied en roue-sac. Le roue-sac, ça porte bien son nom. C'est un chariot qui roule avec un sac pour collecter les déchets. Et on va faire ça. On partira le 1er août 2023 sur le parvis de Notre-Dame de Paris au point zéro. Donc, ça sera le 1er août. On part pour 41 jours. On va passer par la N7 avec 14 villes étapes. J'espère qu'on fera le maximum qu'on ramassera le maximum de déchets pour toujours la même chose, sensibiliser les gens à jeter à la poubelle, c'est le plus important. Le métier sur le réseau, c'est tout. Et c'est lui qui me dit ouais, ben je pense parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'influenceur dans la propreté. La moitié du défi, merci. Mais il n'y a rien, Farido, c'est un rageux, c'est un jaloux. Salut Lizard, je vais appeler mon chef. Non, je vais appeler.
Alors, les réseaux sociaux, j'y suis venu il y a 2 ans. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a maintenant 4 ans, j'étais Reaper. Reaper, c'est celui qui est derrière le cul du camion qui ramasse nos poubelles de tous les jours. On est en train de ramasser les poubelles et il y a des personnes derrière nous qui nous ont insultés, de sales fonctionnaires, dépêchez-vous, on n'a pas que ça à faire, on veut avancer, etc. J'ai dit à mon collègue, oulala, on va se calmer direct et on va prendre des photos. Et avec ces photos, on va faire une petite vidéo pour la mettre sur un nouveau réseau social qui s'appelle TikTok. J'ai mis la vidéo et elle a fait 345 000 vues d'un seul coup. Elle est partie tout de suite chez les gens. Et ça m'a donné l'idée de pouvoir sensibiliser autour du jeter à la poubelle, mais pas que sur TikTok, mais aussi sur Instagram, mais aussi sur Twitter, et tout nouveau LinkedIn. LinkedIn, c'est comme ça qu'on dit. Et du coup, je suis ravi parce que je suis suivi maintenant à peu près sur tous les réseaux avec 330 000 personnes à peu près. Hein. Donc j'espère aller beaucoup plus loin parce que ça veut dire que le message, il fait son chemin et ce message-là n'a pas de frontières. Donc j'espère aussi toucher tous les autres pays où je ne suis pas. Ouais, moi j'ai besoin de la queue d'un plaisir, moi. Yes!